Eh bien, salut à tous les amis, c'est Drixiz. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va au top du top comme d'habitude. Dans ma précédente vidéo avec les sapeurs-pompiers américains, je vous avais parlé de American Medical Response, qui est tout simplement le service de secours le plus connu aux États-Unis en termes de secours à personne. Et vous le voyez, aujourd'hui, je fais une petite vidéo avec. Donc, nous allons faire 100% de l'ambulance. Et là, nous nous sommes positionnés ici en attendant de recevoir un appel pour une détresse ou un accident ou quoi que ce soit. Nous pouvons intervenir sur absolument plein de choses. Donc voilà les amis, aujourd'hui c'est AMR Medical Response, hein, donc service de secours américain avec la petite tenue qui va bien. Le camarade il est où là? Il a son petit sac de secours sur le dos, comme ça on est bien équipé, on peut répondre à vraiment tout ce qu'il faut. Donc allez, sans plus attendre, n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, ce n'est même pas un choix, vous devez vous abonner et activer les notifications de la chaîne YouTube pour être au courant de tout. Et venez faire un petit tour sur mes réseaux sociaux. Allez, donc c'est parti, on remonte dans l'ambulance et puis je vous propose eh bien que l'on attende d'avoir un appel. Ça peut être à la fois très long, très rapide, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ok. Ok les gars, bah là on est engagé sur une fusillade. Donc on doit tout simplement attendre que la police sécurise la zone. On va laisser passer les forces de police avant de s'engager, parce que je ne sais pas si la zone est sécurisée, hein. Donc on va laisser passer la police et quand ce sera bon, on va y aller. Hop, on va les suivre. Oh. Ok, la scène est sécurisée. La scène est sécurisée, on peut y aller. C'est parti, on va y aller. Alors je sais pas si c'est un officier de police qui est blessé ou non. Tac, je vais mettre un slow traffic moi. Salut les gars. Ok, donc c'est une fusillade suite à un contrôle routier j'imagine. On va prendre en charge les deux personnes là. Ok monsieur, bonjour là, c'est les secours là. Allez, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux si vous m'entendez. Ok, je vais en prendre un en charge et je vais demander une deuxième ambulance. Ok, il s'est fait tirer dessus lui, effectivement. Lui. Hop. Allez, je vais lui venir en aide à lui et je vais demander une ambulance supplémentaire. Donc la police sécurise la zone. Ok, très bien. Allez, je demande une ambulance. Et moi, je vais m'occuper de celui-là. Donc, plaie par balle. Hop, on va regarder. On va lui mettre des traitements tout de suite. On va lui mettre des bandages pour éviter qu'il y ait des hémorragies qui continuent à... Hop. Ok, nickel. On va lui mettre un garrot tourniquet parce qu'apparemment, il y a une artère qui est ouverte. Ok, parfait. Les hémorragies sont stoppées, c'est impeccable. On va le mettre sous oxygène. Ok, on va refaire un petit tour. Je vais prendre sa tension, on va un petit peu tout prendre là. Hop. Ok, la deuxième ambulance se présente. Impeccable. Ok, 122 de tension. Ok les gars, on va continuer de le stabiliser là, puis on va rouler en direction du centre hospitalier tout de suite. Est-ce qu'il est stable là? Hop, on va... Tac, lui faire ça. Eh bien ça m'a l'air d'être pas trop mal, on va pouvoir... On va pouvoir le transporter au niveau du centre hospitalier. Il est quand même dans un état grave, hein, ce monsieur. Faut pas rigoler avec ça. Hop. Les autres paramédics prennent en charge la deuxième victime. Je vais récupérer mon brancard. Hop. Il est où mon collègue? Il est là. Je sais pas où ils sont les autres ambulanciers. Il y a leur ambulance qui est garée.
Hop. Ok, on va faire ça. Ok, il y a une belle arythmie cardiaque quand même. Hein. Ok, il est dans l'ambulance. J'ai le life pack qui est ouvert quand même. Ah si, il y avait un officier de police blessé. Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais, grand? Descends de là. Il y a des preuves là-dedans, faut pas... Ok, parfait, je ramasse mon sac. Ah ouais, si, d'accord, il y avait bien un officier de police de blessé. Hop. Allez les gars, on roule au niveau du centre hospitalier. Les autres paramédics, eux, prennent en charge le collègue blessé de la police. Et c'est parti, nous on roule en direction du centre hospitalier. Donc on va aller où? On va aller ici, le plus proche. Let's go, j'ai le life pack qui est en charge, qui est en marche derrière. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, attention, ouais. Faut être assez vigilant quand même. Allez, 400 mètres et on est arrivé. On va déposer la personne. Impeccable. Bon bah une première intervention, des grosses fusillades comme ça, c'est pas tous les jours non plus. Hein. Bon, ça va, il s'est stabilisé un petit peu, là j'ai l'impression. Ok, nickel. Allez, on va le sortir de là. Hop. Et on le dépose. Ok. Ok, bon, apparemment, il était pas dans un état top top hein, quand on l'a déposé. Mais bon, on a fait tout ce qu'on pouvait. Allez, donc c'est parti, les gars. On retourne dans l'ambulance. Et puis, on va rester en stand-by à l'hôpital avant d'avoir une nouvelle intervention. On va se mettre sur le parking à l'extérieur, là-bas, vous connaissez. Et puis, on se retrouve tout de suite. Hein. Ok, bon allez, on prend l'intervention. On est engagé pour une personne disparue sur la plage. Un randonneur qui n'a pas donné de nouvelles. Donc c'est parti, on y va. On va se dépêcher d'y aller. Je vais mettre un point. C'est au niveau du sud-est, du sud-ouest. Non, du sud-est, pardon, ouais, je m'embrouille. De Los Santos, donc c'est parti. Enfin, de Los Angeles. Donc c'est parti, on se dépêche. Pour répondre assez rapidement, donc je vais demander des renforts aériens, j'imagine, mais je pense qu'ils sont déjà engagés. Allez, on a 4 km à parcourir. Nous, on y va, je pense, pour chercher à pied et aussi et surtout pour, si jamais la personne est retrouvée, qu'on la prenne en charge immédiatement. Donc il y a aussi possibilité, je pense, que nous soyons pris en charge par un hélicoptère pour être emmenés directement sur la zone. Ok, alors ce serait un homme qui s'appellerait Jimmy Trial. Ok, très bien. On a des informations qui comblent. On va se dépêcher. On va essayer d'aller le rattraper, ce petit Jimmy Trial, avant qu'il n'y arrive des bricoles ou que son état de santé s'enfonce. Peut-être qu'il est plus du tout sur zone, on verra. Mais bon, allez, on lance les recherches et on verra bien. On a déjà fait une première intervention aujourd'hui qui s'est bien finie. Alors, il n'y a pas de raison que celle-ci se finisse mal. Hein. Là, c'est toujours tout droit. Ça va, les gens s'écartent pas trop mal. Je vois pas d'hélicoptère pour l'instant sur la zone. Je vois même rien du tout, même pas un avion de recherche, de surveillance. Ouais, toujours rien. Ok. Maintenant 2 minutes que les recherches ont été lancées. Ok, si, il y a un avion, mais ça c'est pas un avion de recherche, ça c'est un avion de ligne. Ok les gars, j'arrive sur la zone de l'intervention.
Ok, nickel. C'est juste en contrebas là, donc on va devoir y aller à pied. Alors, où est-ce que je vais me stationner moi? Je vais me mettre juste là. Et on va aller voir à pied. Ok, on va prendre le sac pompe secours tout de suite. Au cas où qu'on retrouve la personne. Même si j'espère qu'on va le retrouver. Et on y va, on va aller voir ça. Je n'ai pas une ambulance. Est-ce que je peux demander du renfort là? Search menu. Ok. Ok les gars, je vais demander un hélicoptère de recherche sur la zone. Et je vais demander un petit bateau de recherche. Histoire de... Ok, très bien. Là, il y a une personne. Donc la zone de recherche s'est agrandie à tout ça. Donc il y a un hélicoptère qui décolle, qui va arriver. Il y a un bateau aussi qui va arriver sur zone. Ok, il faut faire attention là, faut pas tomber. Attention camarade, va pas te casser la binette. Ok, donc là on continue de chercher l'individu. Jimmy Trial, je vous le rappelle. Hein. Il y a des trucs dans l'eau là-bas, mais ce sont des herbes. Ok, il y a toujours rien. Là-bas, il y a quoi? C'est le chien du monsieur qu'on vient de voir, je crois, qui est là-bas. Ah ouais. Ok, ok, bon, bon, bon. Oh, qui a dit qu'ils avaient un visuel? Ok, il y a toujours rien. Oh, bon, 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 bon. Est-ce que je peux pas accéder à la plage avec mon ambulance, là, quelque part? Et on va y aller avec l'ambulance. Ouais, ça va le faire. Ça va passer avec l'ambulance. Allez, on va retourner là-bas. Regardez, l'hélicoptère de recherche est là-bas sur place. J'espère qu'ils vont la localiser. Alors, tac, tac. Mon ambulance, elle est garée là-haut. Ouais, on va trouver un accès à la plage. Nous, on va faire tout le bord de plage en ambulance. Et après, je vais redemander un second hélicoptère, je pense. Hop. On range ça. Il est où, mon camarade, là? Allez, remonte. Par contre, l'accès à la plage. Où est-ce qu'on va avoir ça? Je réfléchis, je réfléchis. Je pense qu'en descendant vers le pont qui est... Il y a là-bas le pont rouge, on pourrait peut-être avoir un accès secours. Donc on va aller explorer cette option. Et si jamais ça porte ses fruits, on va remonter toute la plage. Mais là, vous avez vu, la zone de recherche, c'est vraiment immense. Hein, donc je pense que là, pour retrouver la personne, ça va être très compliqué. Je vais demander un avion de recherche aussi. All units. Units requesting air support off the south coast. Ok, je pense que la plage, j'y ai accès peut-être par là-bas. On va tenter, hein. Non, pas ici. Tac, 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 ok. Là, je peux sortir ici. Ok, il y a donc un hélicoptère. Un avion, un bateau, je vais demander un deuxième hélicoptère. C'est un avion radar qui est en train de sillonner tout ça. Ok, parfait, tous les moyens sont sur place. Oh là, c'est des escaliers ici. Tac, regardez. Peut-être qu'avec les escaliers, j'y ai accès. On va y aller à pied, faire une reconnaissance. Là, les moyens sont en train de faire les recherches. Hein. Ouais, y a peut-être pas d'accès secours sur la plage, en fait. Ok, ok. Ah, j'ai cru qu'ils avaient localisé la victime. Bon, elle est peut-être dans cette zone-là, mais... Ah, ça m'inquiète, les gars. Les recherches commencent à être assez longues.
Ouais, là-bas, je peux pas passer avec mon véhicule, non. Non, c'est pas grave. Allez, on retourne à l'ambulance et on va continuer. On va rouler le long de la route, là. Je vais demander un second bateau de recherche. Second bateau de recherche. Hop. Regardez, il est là, le bateau. L'avion de radar est là, l'avion radar. Je sais pas si nous, on est la seule ambulance au sol. Je pense que oui, quand même. Il y a peut-être la police aussi qui est mobilisée. Donc là, il y a deux bateaux, deux hélicoptères et un avion radar. Bon, bah, je propose que l'on retourne sur la petite route où nous étions. Je vais, tac, réduire le... la zone de recherche. Je l'ai réduite un petit peu. Je pense que c'est quand même dans cette zone-là. Mais j'ai pas eu accès à la plage, donc là le collègue il va remonter. On va retourner là où nous étions. Allez, c'est parti, on y va. Et puis faut qu'on le retrouve. Hein. Il est hors de question que, nous mettions fin à cette intervention sans avoir retrouvé Dimitri Al. La personne disparue en montagne. Ou en mer, on sait pas trop. Salut camarade. Hop. Attention, attention, merci mesdames, messieurs de vous écarter. Impeccable. Ok les gars, je vais retourner là-bas. Tac, tac. Bon, 9 minutes maintenant que les recherches ont été lancées. Toujours pas de nouvelles de l'individu. Je vais, je pense, réduire la zone de recherche encore une fois. Ok, il a été localisé. Il a été localisé apparemment. L'individu a été localisé après 10 minutes de recherche. On va y aller, on va y aller, on va se dépêcher par contre. Ok, il était un petit peu plus haut en fait. Parfait, on va se stationner là. Ok. Il a été vu dans cette zone là. On prend tout de suite le sac prompt secours et on y va. Ok, alors là pour l'instant moi les gars je ne vois aucun individu. On l'a reperdu je crois. Il y a l'hélicoptère là-haut en vol stat. Ok, je vais aller par là. We have a visual. Moving in. Il est où? Ah, il était dans la zone, attendez. Ok, il y a un hélico qui est là. Alors je sais pas trop. Là-bas il y a des gens assis sur la plage. Ouais, je sais pas où est-ce qu'ils me l'ont signalé. C'était dans le coin je crois. Faut attendre d'avoir de nouvelles informations. Est-ce que j'arrive à descendre sur la plage moi? Peut-être que là j'ai un accès un peu plus évident. Un sauvetage en cours apparemment. L'hélicoptère sera en train de faire le sauvetage, je crois. Ok, les gars. Là, je sais pas où est ma victime. Elle est pas sur la plage. Ok, bon, bon, bon. Hop, on continue d'avancer par là-bas. Il y a les hélicos qui tournent toujours. Hein. Moi, je vais essayer de descendre sur la plage. Il n'y a pas le choix, là. Oh, regardez ici, c'est pas trop mal. Non, mais le problème, c'est que je peux pas descendre. Il n'y a pas d'accès. Pas possible. Hop.
Est-ce que j'ai des informations là? Ok, bon. Faut que nous arrivions à... à récupérer la localisation. Regardez, là-bas, hop, il y a un des bateaux de secours qui est sur la plage. Alors, je pense qu'ils ont retrouvé l'individu. On va... Ok. On va y aller, là-bas. Ils ont certainement retrouvé l'individu avec leur bateau. Seulement, je ne peux pas. Je serai obligé de demander le renfort du buggy du San Andreas Fire Rescue de Palétobé. Parce que je n'ai aucun accès. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'ambulance. On retourne là où nous étions tout à l'heure pour accéder à la plage. Et on y va en buggy. Ou non, j'ai encore mieux. On va descendre par là. Regardez. Là, ça va le faire ici. Ok. Ok, parfait. Allez, on va aller voir les collègues. On va aller voir les collègues, ils sont là. Ok, messieurs. Bonjour. Est-ce que vous avez quelque chose, vous? Parce que nous, rien du tout, là, c'est... on est bredouille depuis tout à l'heure. Il est où, mon camarade? Ah, il me suit depuis la côte. Ok, très bien. Bon, bah, les gars, les recherches, je crois qu'on va les arrêter. On n'a pas réussi à localiser l'individu. Donc, malheureusement, Dimitrial, on va devoir se retirer de la recherche. Je pense que les hélicos vont continuer à tourner. Mais les moyens au sol vont être remis disponibles pour pouvoir tout simplement assurer les autres départs de secours. Et quand ils le retrouveront, ils vont, je pense, le récupérer et l'évacuer. Hop. Donc voilà. Allez, bon bah pour nous ça va être la fin de ces recherches. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, hein. Peut-être qu'à un autre moment nous arriverons à retrouver l'individu. Mais là malheureusement aujourd'hui ce n'était pas possible. Donc c'était Drixis pour cette petite vidéo avec American Medical Response. Donc j'espère que vous avez kiffé car moi c'était un réel plaisir. Surtout que nous c'était la première fois que nous faisions des recherches. Donc allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, profitez bien de vos vacances. Et ciao bye bye.